Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseurs de Camping-Car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un superbe intégral Carthago. C'est le modèle Chic E-Line 51 QB, un modèle 2020 immatriculé fin 2019, sur un porteur Fiat Ducato 180 chevaux avec la dernière boîte automatique, 9 rapports. Bon, on va faire un tour du véhicule. On peut déjà apercevoir un beau stortule. Je vais vous ouvrir toutes les soutes après avoir fait un bref tour comme ça. Ici, vous pouvez apercevoir un crochet d'attelage qui n'a jamais servi. Le véhicule est vraiment dans un excellent état. Il est comme neuf à l'extérieur comme à l'intérieur. Également voir ici les rétrobus. Voilà. Donc on a une peinture gris métallisée qui est super jolie. Voilà, je vais vous ouvrir toutes les soutes et on va faire le tour à l'extérieur ensemble. Avant d'ouvrir les soutes, je vous montre les magnifiques jantes. Donc on est sur du 16 pouces. Jantes alu, elles sont jolies comme tout. 4 jantes aluminium. Allez, je vous ouvre les soutes. A tout de suite. Bon, regardez, je voulais vous montrer ça. Je suis en train de voir toutes les soutes. Vous voyez, sur chaque porte de soute, on a 2 vérins hydrauliques. Du coup, c'est super simple à ouvrir. Allez, c'est parti. Toutes les soutes sont ouvertes. On va attaquer par la première. Donc, à la fin de la vidéo, je récapitulerai toutes les options qu'il y a d'installer sur ce véhicule. On peut déjà apercevoir ici un convertisseur 220 volts, 3000 watts pur sinus de marque Ontarion. Donc, c'est du beau matériel. Au niveau batterie, nous avons une batterie lithium Super B 160 ampères. Qui se trouve ici, voilà. On en reparlera tout à l'heure, mais sur le toit, on a également 3 panneaux solaires. Donc voilà, ici nous avons un coupe batterie, comme vous le voyez. Là, on a la tuyauterie du chauffage Aldé, puisqu'on a un chauffage Aldé sur ce véhicule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une centrale en fait, comme à la maison, avec un plancher chauffant qui fonctionne sur le gaz et également sur le 220. Donc c'est un très bon chauffage qui a une répartition de la chaleur très homogène sans assécher l'air. Voilà, c'est super comme type de chauffage. Donc là, vous voyez cette soute traversante avec un joli revêtement. Elle est nickel. Voilà, elle est vraiment en très très bon état. À cet endroit-là, on peut apercevoir, vous voyez là, un rack de rangement qui est accessible également par l'intérieur du véhicule avec une trappe. Cette partie-là est également accessible depuis l'intérieur, puisque là, on a un siège ici qui s'ouvre, voilà, comme une petite trappe, et qui nous donne accès à ce coffre. Donc voilà pour la première soute. Donc vous voyez, en termes de rangement, là, il y a vraiment de quoi en mettre. Hein. On va passer à la seconde. Hop là. Voilà, une seconde soute ici, pareil. Il y a de quoi en mettre. Voilà. Je vais d'ailleurs vous mesurer la largeur de celle-ci. Là, on a 80 cm de largeur et en hauteur, on est à 45 cm. On a des beaux volumes. Et ici, on a une largeur de soute d'1,80 m. Voilà. Et sur la partie large, nous sommes à 45 cm de largeur. Voilà pour les deux premières soutes. Juste derrière, avant d'accéder à la grande soute à l'arrière, nous avons ici une prise extérieure qui a été rajoutée par l'ancien propriétaire.
Donc c'est une prise télé. Je vais vous montrer ça. Voilà, si vous voulez brancher une télé à l'extérieur, ici on a du 220. Ici de quoi brancher une antenne. Et là, nous avons du 12 volts. Donc ça, super pratique, parce qu'en fait, sur le store, on a un Safari Room. Donc, c'est des côtés qui se mettent sur le store. Et du coup, ça vous permet d'avoir un haut vent. Donc voilà, si vous voulez regarder la télé dans le haut vent, c'est possible. Ici, la prise P17 pour brancher les véhicules en 220. Voilà. Bon, là, je vous spoil un peu, mais vous voyez, on a des suspensions pneumatiques Alco sur ce véhicule. On passe à la grosse soute arrière avec un très très beau volume, comme vous pouvez le voir. Je vais vous mesurer également la dimension des portes. Alors, je vais poser la caméra. En largeur, nous avons 1,12 m de large. Elle est 1,13 m de large. Et en hauteur, nous sommes à 1,07 m. 1,10 m même. On a 1,10 m de hauteur de soute. Ici, on peut apercevoir le réservoir d'eau usée. Donc au niveau des capacités, je vous récapitulerai tout ça à la fin de la vidéo. Capacité d'eau propre et d'eau usée. Ici, nous avons un mitigeur eau chaude, eau froide pour la douchette extérieure. Juste au-dessus, prise 220 au nombre de 2 et 2 prises 12 volts. Voilà. Bien évidemment, la soute est éclairée. Voilà. Derrière cette grille, nous avons tout le système électrique avec tous les fusibles qui sont réunis au même endroit. Ici, la petite manivelle du store extérieur. Et là, on a des filets pour pouvoir ranger des éléments sur la paroi arrière. Ici, des points d'arrimage si vous voulez y mettre un scooter ou une moto ou autre chose. Donc des points d'arrimage de chaque côté de la soute. Des racks de rangement assez volumineux également. Voilà, également ce côté-là. Donc voilà sur cette belle soute traversante également. À l'arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le crochet d'attelage qui n'a jamais servi. Un design magnifique hein, sur l'arrière de cette intégrale. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. À cet endroit-là, l'orifice de remplissage des eaux propres, voilà, juste ici. Pareil pour les capacités, je vous dis ça à la fin de la vidéo. Ici, nous avons une bouteille de gaz standard qui est ici, de 13 kg. Et à côté, en option, nous avons, qui a été posée lors de l'achat du véhicule, une bouteille GPL. Avec la possibilité de voir, je vous montrerai ça tout à l'heure à l'intérieur du véhicule, de voir le niveau de la bouteille. Voilà. Donc le but en fait, c'est de se servir systématiquement de la bouteille GPL et la bouteille de butane sert en bouteille de secours en fait. Voilà. Donc l'orifice de remplissage pour le GPL, on l'a ici. À cet endroit-là, on a un bout de tuyau, comme vous le voyez, qui est juste là, qui sert en fait à brancher sur la buse pour vidanger les eaux propres et les eaux usées. On a une manette en fait qui est visible d'ailleurs ici je crois, voilà là, donc accessible de l'intérieur. Ces deux manettes, eaux propres, eaux usées, voilà, si vous voulez vidanger les deux réservoirs, ça se fait ici. Et la buse, elle est à côté de la porte de cellule. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, on est dans une autre soute. Hop là, traversante, la même que la première. Voilà. Bon, ici, on a une pompe extérieure pour le circuit d'eau. Ici, encore une fois, le système de chauffage Aldé avec les tuyaux qui passent ici. Voilà.
Donc voilà pour cette dernière soute. À cet endroit-là, l'orifice de remplissage de la Deblou et du gasoil. Donc capacité de réservoir 90 litres pour le gasoil. À cet endroit-là, la porte-cellule. Voilà. Avec le petit logo Cartago ici. Bon, on va rentrer après. Hop là. Les fameux rétrobus. Hein. Donc super pratique ça pour manœuvrer. Au-delà d'être très esthétique, c'est vraiment top d'avoir ces types de rétro là. La calandre est super jolie, hein, comme vous pouvez le voir. On a une face avant qui est... D'ailleurs, je crois que les modèles 2023 sont à vérifier, mais je crois que c'est au niveau extérieur et intérieur, d'ailleurs, je crois aussi, on est sur le même design. Voilà pour la partie extérieure, on va rentrer à l'intérieur du véhicule. Avant de rentrer, lumière extérieure, comme vous le voyez, à cet endroit-là, on a une porte de cellule qui est vraiment très cossue, avec une épaisseur, comme vous le voyez, importante. Donc c'est une porte Hartal, hein, avec trois points au niveau de la serrure. Une, deux et trois points. Avant de rentrer, je voulais aussi vous montrer la buse de sortie pour les eaux propres et les eaux usées qui est juste ici. Voilà, donc très pratique. Vous branchez le petit tuyau qu'on a vu dans l'autre soute tout à l'heure. On a une petite rallonge et ça vous permet de vidanger les eaux en visant là où vous avez envie de viser. Allez, c'est parti, on rentre à l'intérieur. Donc je me déchausse. On va commencer par la partie avant, donc la partie porteur. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un Fiat Ducato de 180 chevaux. 180 chevaux DIN avec la dernière boîte automatique ZF9, donc 9 rapports. On a ici la traction plus. Donc ça, c'est si vous êtes un jour embourbé, ça vous permet de vous dépatouiller avec une action qui est faite sur le différentiel, sur l'essieu avant. Et ici, nous avons le hill descente. Donc c'est un frein additionnel quand vous êtes en montagne ou dans une descente à fort pourcentage. Ici, nous avons une clim. Et au-dessus, le GPS multimédia spécial camping-car avec la possibilité de rentrer les codes du véhicule, de brancher votre téléphone dessus et pour ceux qui le souhaitent, ici, de quoi mettre un CD. Voilà. Voilà au niveau de la sono. Ici aussi, on pilote l'allumage de la télé. Donc la télé, on va l'ouvrir tout à l'heure, elle se situe là derrière le siège. Donc ici, on a moyen de piloter le son de la télé et de l'allumer, etc. Au niveau du poste de pilotage, donc on a un volant en cuir, très appréciable. On peut voir ici le tableau de bord avec les contours chromés. Voilà, donc très esthétique. À cet endroit-là, nous avons la caméra de recul Cartago. À cet endroit-là, la commande des suspensions pneumatiques. Donc suspension pneumatique de marque Alco, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y en a pour une valeur d'au moins 7000 euros pour ce type d'équipement. Bien sûr, il y a toutes les factures. Également, le même prix en termes d'options pour les vérins hydrauliques. Donc de marque Alco également. Donc voilà, des très belles options sur ce Cartago. Ici, de quoi brancher votre téléphone avec la prise USB si vous voulez le recharger. De quoi baisser la vitre électrique à cet endroit-là. On a bien évidemment des rideaux occultants sur toute la partie avant du véhicule. Voilà. Rideau occultant. Donc sur cette partie-là également. Et là, on a un rideau électrique également à cet endroit-là.
Donc ça fait rideau occultant et en plus brise-vue. Voilà, là on l'a mis en mode brise-vue, vous voyez. Donc ça c'est très sympathique également. Et au-dessus, chez Cartago, on vous propose une horloge. De quoi contrôler l'hygrométrie et également la température. Voilà. Comme dans un bateau. Voilà sur la partie poste de pilotage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à m'en faire part dans les commentaires. Sur la partie passager, nous avons ici un petit peu de rangement. Bon, là, il nous reste quelques CD, hein, vous voyez. Voilà. On a ici un joli revêtement en cuir. C'est vraiment, esthétiquement parlant, c'est vraiment super sympa. Ici, le petit logo Cartago. Voilà, c'est des petits détails. Mais niveau esthétique, on est vraiment sur quelque chose de joli comme tout. Et de très chic, comme le nom l'indique. Le chic E-Line. À cet endroit-là, on voit des sièges agoutis. Voilà, c'est des sièges haut de gamme avec la ceinture qui est incorporée dans le siège. Le petit logo Cartago encore une fois ici. Et on n'est pas sur du simili-cuir, il s'agit bien d'un vrai cuir. Voilà. Donc voilà sur la partie avant. Au-dessus, nous avons un lit pavillon. Donc un lit pavillon de place de 150 cm de large. C'est un lit manuel. À cet endroit-là, en dessous le pavillon, hop là, du rangement là. De l'autre côté, pareil, on a une petite niche de chaque côté et du rangement également à cet endroit-là. Voilà. Je vais vous montrer ce que donne le salon lorsque les sièges sont tournés, parce qu'on a vraiment un joli salon. Donc voilà ce que ça donne lorsque le salon est en place. Bon, en fait, pour le mettre en place, hein, j'ai juste centré la table et tourné les sièges à l'avant. Voilà. Donc on a vraiment un très joli salon, de quoi tenir à 4, hein, vraiment aisément. Voilà, une jolie banquette. Allez, je remets les sièges en place. Hop là. Voilà. On va continuer. Alors, au-dessus de la partie dinette, nous avons ici de jolis placards avec des très beaux volumes. Voilà. Également ici une niche. Un placard également à cet endroit-là. Avec tout l'équipement. Donc là, on a le régulateur MPPT au niveau du panneau solaire. Et nous avons également tout le système pour l'audio et pour l'antenne satellite. Voilà. Au niveau des baies, donc on a bien sûr des baies affleurantes. Je vais vous montrer ce qu'on a comme type de baie parce que c'est important à souligner. Sur certains modèles, en fait, on a des baies à cliquer. Ici, pas de cliquer, c'est des compas haut de gamme, en fait. On n'a pas besoin de devoir rouvrir la fenêtre entièrement pour pouvoir refermer la refermer. Donc voilà, vous pouvez régler l'ouverture comme vous le souhaitez. Voilà. Et ça, c'est un gros plus. Bien évidemment, des rideaux occultants sur chaque baie et également le moustiquaire. Voilà. Allez, on passe à la partie cuisine. Donc, au-dessus de la cuisine. Alors déjà, la cuisine, regardez. Voilà. Très fonctionnel. Très joli, hein. Avec cet arrondi là qui est magnifique. Nous avons trois feux. Deux ici et un ici. Voilà, on voit que c'est du haut de gamme. Hein. Là, ça, c'est de la fonte. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment une belle gazinière.
Si vous voulez vous en servir que de deux, il suffit de refermer cette partie là et voilà. Au niveau de l'évier, voilà, donc tout est vraiment très propre, en excellent état. On a un robinet là qui est vraiment très cossu, voilà, avec ça, hein, vous voyez, petite douchette, très pratique et vraiment cossu. Derrière on a une prise 12 volts, une prise de 120 et les interrupteurs. À cet endroit là nous avons, ça peut servir de plan de travail supplémentaire pour poser des affaires quand vous cuisinez. Ici, de quoi faire le tri de vos déchets, voilà. Et à cet endroit là de quoi y mettre des bouteilles. Voilà. À cet endroit là nous avons les tiroirs, donc il reste encore les couverts, hein. Voilà, sinon tout le reste est bien vide, regardez ça, ça se referme tout seul comme à la maison. Ici également du rangement, voilà, donc des très beaux volumes, hein. Au niveau des tiroirs et le dernier. Voilà. Voilà pour la partie cuisine. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. En face de la cuisine, nous avons, hop là, un frigo. Donc les derniers frigos Dometic, frigo Trimix, qui fonctionne sur le 220, sur le 12 volts quand vous roulez. Et sur le gaz quand vous êtes en pleine autonomie, en pleine nature. C'est comme neuf, hein. Frigo vraiment en super bêta. Comme je vous le dis, c'est les derniers frigos, donc ils s'ouvrent des deux côtés. Voilà. À votre guise. Pareil pour le congélateur. Voilà. Et au-dessus, nous avons un four qui a servi une fois. Voilà. À cet endroit là un petit épicier très bien pensé, vous voyez, au niveau de l'ébénisterie là on est sur quelque chose de super joli, tout est arrondi. Ici on a trois bandes de LED, voilà. Au niveau des luminaires c'est pareil, on a vraiment des jolis, un joli éclairage. À cet endroit-là, vous pouvez apercevoir un turbo-vent. Donc ça peut servir de hotte aspirante ou de ventilateur. Voilà, puisque c'est réversible. Et juste à côté, nous avons une clim Truma. Voilà, le modèle Aventa. Donc c'est une clim réversible qui peut servir également de chauffage. Voilà. Donc, très très belle clim. Et juste à côté, vous pouvez voir le lanterneau Midieki. Qui nous ramène vraiment beaucoup de lumière. On est dans un véhicule qui est très très lumineux, je pense que ça se voit. Bon, on va passer maintenant sur la partie arrière, donc salle de bain et chambre arrière. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et une fois que j'aurai terminé la chambre, on va passer sur les trappes. Et ben non, tant qu'à faire, on va passer tout de suite sur les trappes. Alors, les trappes au sol, on est sur un plancher alco. Ici, on a un accès au réservoir d'eau usée. Voilà. À cet endroit-là également, accès au réservoir d'eau usée. On a une grosse capacité en termes d'eau usée et d'eau propre. Je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. À cet endroit-là, un accès au réservoir d'eau propre. Et ici, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert les soutes, à cet endroit-là, on a un accès à la soute. Voilà. Et à la vidange des eaux propres et des eaux usées. Donc là, on a un volume accessible, un volume de rangement accessible depuis l'intérieur, qui
qui est vraiment très confortable. Comme vous le voyez, on a un gros volume. Donc ici, pour mettre des bouteilles, des conserves, tout ce qui pourrait être lourd, c'est vraiment l'endroit idéal. Tout est vraiment cossu hein, sur ce Cartago. Voilà, les charnières, on voit vraiment que c'est du, qu'on est sur du haut de gamme. À cet endroit-là, nous avons là sous la banquette des prises 220. Alors, une prise 220 et une prise 12 volts. Voilà, juste en dessous de la banquette. Là-bas également, à cet endroit-là, une prise 220. Allez, on passe à l'arrière. Donc voilà cette magnifique chambre. On est sur un lit king size. En longueur, on a au moins 2 mètres. Hein. Il y a vraiment de la place. On a un matelas très confortable, selon les dires des anciens propriétaires. Vous voyez, il y a le jeu de lumière au sol qui est super joli. Ici, on peut apercevoir des tiroirs de rangement. Très volumineux. Également, à cet endroit-là, des placards. Et le même à gauche. Voilà. Je vais vous montrer les penderies. C'est joli. Donc bien sûr, une fenêtre de chaque côté. Voilà. Un lanterneau au-dessus du lit avec une, je sais pas si on peut appeler ça une crédence, en tout cas on a un revêtement au-dessus là qui est super sympathique. Avec le jeu de lumière là, c'est vraiment très joli. Ici nous avons une penderie, vous voyez, avec le rail de la penderie qui vient avec la porte. Donc, pas besoin d'aller se plier en quatre pour attraper la penderie. Voilà, beau volume. Hop là. Également de ce côté-là. Voilà, une belle penderie ici aussi. Dans cette chambre, nous avons également une télé. Donc on a une antenne Alden, c'est la plus haut de gamme des antennes qui existent sur le marché. Une antenne double tête. Donc si vous voulez regarder un programme différent, vous pouvez sur la télé à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, on a un bel écran. À cet endroit-là, en fait, vous voyez, on a des rails. Cartago, en fait, a fait un système pour ceux qui veulent regarder la télé et faire en sorte que la télé soit au milieu. Donc voilà ce que ça fait. Regardez, je vais vous montrer. Donc j'ai déplacé la colonne et vous voyez, on a la télé du coup qui se situe au pied du lit. Voilà. Donc c'est bien parce qu'ils ont fait cette paroi amovible. Voilà. Parce que c'est vrai que ça obstrue un petit peu le lit quand on a ce type de paroi au pied du lit. Et là, regardez, pour le repousser, c'est très simple. Hop là. Voilà. Voilà sur la partie lit arrière, messieurs, dames. Donc on a une chambre vraiment très spacieuse, de quoi circuler autour du lit. Là on a une petite marche de chaque côté. Pour faire le lit là, c'est vraiment très facile. Juste à côté, on peut apercevoir la douche qui est jolie comme tout également. Donc ça c'est une partie qui s'enlève hein, si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de la remettre, il y en a qui la laissent chez eux. Voilà. Bon, cette douche, elle est vraiment particulièrement bien finie. Je ne sais pas si vous voyez le revêtement qu'on a là. C'est super joli. Et au-dessus, vous voyez le lanterneau là, qui s'ouvre, hein, bien évidemment. On a en fait une douche en mode pluie tropicale. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. La douche est spacieuse. Hein, même pour les personnes corpulentes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la douche tropicale et ici un pommeau de douche standard. Joli comme tout. Juste en face, nous avons les toilettes. Hop là. La salle de bain. Donc là, la porte qui se cale ici.
Hop là. Et là, les toilettes en céramique Tedford. Donc, c'est de la céramique. Comme je vous le dis, hein, tout est vraiment cossu. À cet endroit-là, on a du rangement. Ici, une prise de 120. Derrière les miroirs, du rangement également. Donc une très très belle salle de bain. Voilà. Et un petit lavabo ici. Je dis un petit, mais il est vraiment spacieux. Lavabo. À cet endroit là un petit verrou. Hop là. Je pense avoir fait le tour au niveau de la chambre et de la salle de bain arrière. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je tâcherai d'y répondre avec plaisir. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais récapituler toutes les caractéristiques de ce magnifique Carthago Chic E-Line 51 QB. Je vais poser la caméra et on va récapituler tout ça. Ah, il y a ça que j'ai oublié de vous montrer, la petite touche Carthago. Voilà, regardez ça, des verres Carthago, des verres à vin, super. Voilà, allez, on y retourne. Donc, pour récapituler, nous sommes sur un Carthago Chic E-Line 51 QB, monté sur un Fiat Ducato de 180 chevaux DIN avec une boîte automatique 9 rapports, la dernière boîte auto. Au niveau des options, nous avons sur ce véhicule une climatisation réversible, donc qui fait clim et chauffage également. Nous avons également une antenne satellite Alden S4 Twin. Donc c'est vraiment le modèle haut de gamme qui existe sur le marché, le plus haut de gamme. Nous avons également deux panneaux solaires de 140 watts, des Black Crystal. Pareil, on est sur du haut de gamme. Et on a un autre panneau solaire qui a été rajouté en 175 watts. Nous avons également un convertisseur 220 de 3000 watts, pur sinus. Donc là-dessus, vous pouvez brancher une cafetière, un sèche-cheveux, de quoi charger des batteries. Enfin voilà, il y a vraiment, on a vraiment une grosse capacité. Au niveau de la batterie, on est sur une pile lithium de marque Super B. Donc pareil, c'est des piles lithium haut de gamme en 160 ampères. On a d'ailleurs un afficheur digital pour cette batterie que je vous montrerai après. Je vais vous montrer le tableau de commande juste après. Nous avons également une alarme volumétrique. Donc une alarme volumétrique, gaz soporifique et gaz standard. Nous avons également un crochet d'attelage. Nous avons également le Safari Room. Donc ça, c'est des côtés qui se greffent sur le store, qui vous permettent en fait d'avoir un auvent. Voilà, un superbe auvent. J'essaierai de vous mettre une petite photo dans le montage. On a également sur ce véhicule en option des suspensions pneumatiques avant-arrière. Donc de marque Alco. On a également des vérins hydrauliques de marque Alco également. Donc là, sur chaque option, on est au moins à 7-8 000 euros sur les vérins, 7-8 000 et 7-8 000 sur les suspensions pneumatiques également. On a également en option une prise télé extérieure, un volet occultant pare-brise brise-vue sur la partie avant que vous voyez juste ici, une télé dans la chambre à l'arrière et une télé à l'avant.
Alors la télé, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré à l'avant. Je vais vous la montrer de suite. Alors, ici, une petite poignée. Et voilà, on a un superbe écran. Très large, hein, vraiment. Donc quand vous tournez les sièges à l'avant et que vous mettez en mode salon, écoutez, superbe télé. Voilà. Voilà pour la télé. Tant qu'on y est, je vais vous montrer le tableau de commande. Donc ici, de quoi allumer les luminaires à cet endroit-là. Ici, de quoi allumer la pompe à eau, les bouteilles de gaz, le système audio à cet endroit-là. Ici, nous avons la capacité de la batterie là. Ici, des eaux propres et des eaux usées pour checker les niveaux. Et ici, le bouton général. Juste à côté, nous avons un système d'affichage Super B. Donc là, pour checker le niveau de la batterie lithium. Et juste à côté, la commande du chauffage ALD. Voilà, donc je vous le redis, le chauffage ALD qui fonctionne sur le 220 et sur le gaz. On a également d'équiper sur ce véhicule, c'est super intéressant, un échangeur thermique qui fonctionne avec le ALD et le moteur. Donc en fait, les calories du moteur, la chaleur du moteur passent dans des tuyaux en fait avec un échangeur et ça permet de chauffer la cellule pendant que vous roulez. Voilà, donc échangeur avec le ALD sur le moteur, c'est super intéressant. Et ici, nous avons la commande pour le volet. Voilà. D'ailleurs, on va le baisser. Voilà, on va le relever totalement. Écoutez, messieurs, dames, je pense avoir fait le tour au niveau des options. Alors dans ces toilettes, messieurs, dames, ici vous pouvez percevoir un petit tuyau. Donc ça, c'est un système anti-odeur, ça s'appelle le SOG. Voilà, c'est greffé sur la cassette et ça permet d'avoir aucune odeur à l'intérieur de la cellule qui pourrait émaner de la cassette des toilettes. Donc on a un ventilateur qui s'active quand vous êtes dans les toilettes, quand vous servez des WC et qui donc aspire les odeurs. Voilà, un petit ventilateur qui est fixé sur le toit du véhicule. Bon, au niveau du gabarit extérieur, ça va peut-être en intéresser certains. Hein. On est sur un véhicule qui mesure 7,99 m de long, 2,35 m de large. Au niveau des capacités du réservoir d'eau propre, nous sommes à 230 litres d'eau propre, 200 litres d'eau usée. J'espère avoir été le plus précis possible dans la présentation de ce magnifique Carthago Chic E-Line 51 QB. Lorsque le véhicule sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie. C'était Mathieu pour Chasseur de Camping-Car. À bientôt.